C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide, composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargot des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve tout autant que leurs pneus avant. Deux zones de DRS facilitent les dépassements, la première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux loties. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Iceman, Vettel, Max Verstappen et Grosjean, Leclerc, Russell, Giovinazzi et Carlos Sainz, Raikkonen, Norris, Lance Stroll et Ricciardo, Gasly, Albon, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Daniil Kvyat et Nicolas Latifi, Ocon et Sergio Perez qui ferment la marche sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Chine, troisième épreuve de ce pilote RP. Et on a complètement loupé la victoire à Bahreïn, malheureusement. Je menais tranquillement mon Grand Prix et là, dans le dernier secteur du dernier tour, je perds la voiture parce que je n'avais plus de pneus. Et du coup, ça a donné une victoire absolument improbable à Franklin parce que tout simplement, il y a eu la safety car au pire moment pour les leaders, sauf moi qui rentrais au bon moment, genre j'étais quasiment béni. Et tous les gens derrière moi, donc les Ferrari, la Red Bull de Nick Tam, les Brown, et il y avait une autre voiture, ils sont pas rentrés, donc du coup ils ont tout perdu. Ils sont rentrés au 9ème tour, oui ils sont revenus sur certains, mais ils ont même pas réussi à marquer des points. Donc du coup ça a complètement changé le truc, donc Franglais il s'est imposé, donc Franglais est actuellement deuxième au championnat, et Jeannot a complété le podium avec sa Williams. Enfin c'était complètement n'importe quoi, je vous invite à regarder ce Grand Prix si vous ne l'avez pas vu, sinon on va s'attaquer à Shanghai. Les 5 feux vont s'allumer et c'est une première ligne 100% Brown. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Chine avec un départ correct, même si Timoun a une meilleure deuxième impulsion. Et on va se faire attaquer par Aurélie Fox, la Ferrari qui prend toujours des bons départs. Mais on reste devant tranquillement et Timoun, on va l'enrouler par l'extérieur. Rubens Moro a maintenu sa première position et je vais dépasser Timoun dans l'escargot. Parce que l'IA est toujours lente dans l'escargot, ça n'a pas changé au fur et à mesure des jeux. Et Aurélie Fox qui va dépasser Timoun par l'extérieur, cette Ferrari qui est une énorme bombe à chaque premier tour, et Fox qui va faire l'extérieur sur Timoun, ça va passer pour la Ferrari, très très beau départ d'Aurélie Fox, alors que mon téléphone décide de sonner, je ne sais pas pourquoi, et en tout cas c'est bon, on est en deuxième position, et on va essayer de rattraper Rubens Moro, avec sa Brown, mais il semble bien rapide. Et c'est surtout Aurélie Fox qui va peut-être venir m'attaquer. Après, il défend plus sur Timoun qui m'attaque. Même si s'il tente une attaque un petit peu osée sur moi, il vient un petit peu taper. J'espère pour lui qu'il n'a pas cassé son aileron. Mais c'est vrai que c'était un petit peu optimiste. Et Timoun maintenant qui va essayer de m'attaquer dans cette ligne droite. La Brown qui a l'air extrêmement compétitive sur ce circuit. Il est en train de me prendre l'aspiration dans la ligne droite. On se décale pour essayer de défendre. Mais je pense que Timoun est bel et bien passé, à moins qu'on fasse un énorme freinage. Timoun sur l'extérieur, est-ce qu'il va pouvoir résister ou pas? Et oui, je crois que Timoun est devant. Ouais, Timoun reste devant malgré tout. Ouais, la Brown a l'air d'être une fusée sur ce circuit, je pense pas que je puisse faire grand-chose. Et Aurélie Fox, il va me reprendre l'aspiration.
et vouloir me repasser cette Ferrari en ligne droite, c'est n'importe quoi. Et il va tenter l'extérieur. Et ça va passer, ça va pas passer pour Ray Fox. Par contre, j'ai failli tenter de repasser Timon. Je suis vraiment rapide sur le premier long droit comme ça là. Et Rubens Moreau qui a bloqué les roues avant, mais rien de bien grave. Il a une assez bonne avance. Alors qu'ici, on voit Mysterion avec un problème mécanique. Il n'y a plus de moteur. Et il va gentiment se garer sur le côté. Colin Mysterion, malheureusement. Le héros de l'Australie qui, depuis, ça se casse un petit peu la figure. Surtout avec son coéquipier franglais qui s'est imposé. C'est vrai que le duel chez Sauber, pour l'instant, c'est compliqué pour Colin. Alors qu'Ray Fox tente encore une nouvelle attaque, mais ça ne suffit pas. Il y a surtout lui Morvan et Guillaume Stock qui arrivent derrière. Et attends, oh là là, attention, ça glisse un petit peu. Ça glisse un petit peu. Effectivement, bah oui, l'autre voiture qui faisait partie des leaders de la Bahreïn, c'était aussi mon coéquipier également. Enfin, ils sont tous fait niquer par ça. Et du coup, bah tous les milieux de peloton, fin de peloton, bah, ils se retrouvaient dans les gros points. Enfin, c'est vrai que le Grand Prix de Bahreïn, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est vrai qu'on a vécu des Grands Prix assez incroyables hein, pour le moment. Et Ray Fox, y encore une fois, va tenter sa manœuvre. On va essayer de l'enrouler par l'extérieur. Et Ray Fox y est passé cette fois-ci. Là, je ne peux rien faire. Il avait l'intérieur de toute façon. Alors, et là, j'avais passé juste devant lui pour couper et aller dans les stands. J'avoue, c'était extrêmement couillu. S'il y avait un accident, c'était totalement ma faute. Mais bon, c'est passé. On va rien dire. La FIA n'a rien vu. Ça va. Oh putain, il a dû avoir la peur de sa vie. Mais il a quand même continué à prendre son virage. Hein. Il n'y a rien à foutre. Mais bon, quand même, c'est vrai que ça doit être un peu flippant. Il prend une voiture comme ça, aller à fond et rentrer. Allez, on va mettre les pneus médium et aller jusqu'au bout. On va tenter un énorme undercut pour essayer de passer les Browns. C'est notre seul moyen de jouer la gagne. C'est de tenter l'undercut. Bon, on risque de souffrir en fin de course. Hein. Je dis pas le contraire, mais bon. Pour l'instant, c'est notre seule option. Et on ressort dernier, forcément. Maintenant, il faut attaquer à fond. Ici, on voit quelques batailles sur la piste. Jeannot Clouté et Benjamin Knox sont en train de se battre probablement pour des petits points. Et ça va faire l'extérieur pour la Williams de Jeannot qui se venge un petit peu de Bahreïn où Knox avait fait un double dépassement sur les Williams. On a ici Anis qui va tenter de se débarrasser de Franglais, le vainqueur du Grand Prix de Bahreïn. Gros blocage de roue pour ce dernier et la McLaren qui passe devant. C'est pas le même Grand Prix hein, pour Franglais. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une bataille entre la Williams, je crois que c'est encore celle de Jeannot Clouté qui se bat avec Kevin Bedell. Décidément, Jeannot Clouté, il veut se battre avec tout le monde aujourd'hui. Peut-être que Bahreïn, effectivement, lui a ramené cette confiance alors que Clément Broyard est en train de s'attaquer à Franglais qui est en train de perdre des positions. Sauber n'a vraiment pas l'air d'avoir du rythme sur ce circuit. Ce même doublé par une Force India, c'est quand même un petit peu alarmant. Force India qui est passé. Yeo Stop qui rentre au stand, je suppose que Rubens Moreau est également dans les stands. Ah non, c'est Timoun. Rubens Moreau est resté en piste. D'accord, donc je suppose que c'est Fox et Morvan et Stop dans les stands. Donc Rubens Moreau, il va se faire undercut par tout le monde en fait, hein, si je comprends là. Parce que ils l'ont laissé dehors, hein, Rubens Moreau. Il ne s'est pas encore arrêté. Yeo Stop qui ressort. Et j'ai fait l'énorme undercut, bah voilà, je suis passé loin devant Timoun, bah je pense que je vais ressortir devant Rubens Moreau. Hein. À mon avis, je pense que je vais ressortir devant Rubens Moreau, mais c'est surtout en fin de Grand Prix, ça va être compliqué, parce qu'ils vont avoir des pneus 2-3 tours plus frais que les miens, et je pense que je vais un petit peu souffrir. Alors qu'on voit ici les deux Toro Rosso en train de se battre. Effectivement, les deux ils se battent pour un baquet chez Red Bull. Si jamais l'un des deux pilotes ne performe pas, wink wink, Mister Louis avec un seul petit point pour l'instant au championnat et derrière les Toro Rosso. Alors qu'ici on est bien revenu sur effectivement cette bataille de milieu de peloton. Timoun il est quand même à 4 secondes 2, hein. On lui a mis un undercut absolument massif ici. Alors qu'on va tenter le gros freinage à 4ème ligne et faire un quadruple dépassement. Oh là 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 là. Les énormes couilles, mais je voulais pas me faire retenir par le trafic, je dis vas-y go, je prends l'ouverture et ça passe. Il y a eu du contact certes, mais pas de dommage et bon,
C'est un dépassement extrêmement viril quand même. Quand je le revois, je sais pas si j'aurais les couilles de refaire la même un autre jour. Oh là 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 là. Oh, c'est très beau. C'est beau, c'est couillu. Franchement. Putain de merde. Incroyable. Du coup, ça rentre au stand pour beaucoup de monde, forcément. C'est l'heure des arts. Tour 5-6 là. Et Rubens Moreau. Et on ressort largement devant Rubens Moreau. Ah bah voilà, l'undercut il a bien fonctionné. Ceux de devant ils doivent encore s'arrêter parce qu'ils sont un médium. Donc je suis officiellement en tête de la course. Alors qu'on voit ici Timoun en train de se battre avec le trafic. Il est ressorti devant Rubens Moreau, hein, by the way. Donc, Rubens Moreau a rétrogradé à la troisième position. Mais il a les pneus les plus neufs des leaders. Donc il peut se retrouver une menace en fin de course. Alors que Timoun lui ne tente pas le dépassement quand ça fait le 3 troncs devant. Et il y a Rubens Moreau, du coup, qui est bien revenu à ses copains. Et Nick Samer. Il y a tout le monde qui est là. Et Rubens Moreau qui est passé sur l'intérieur. Il a profité de l'opportunité que Timoun soit fait bloquer. Bien joué de la part du jambonisme. Et Ray Fox qui a tenté l'extérieur. Timoun qui est en train de tout perdre. Hein, s'étant fait bloquer par le trafic. Et Ray Fox qui va tenter l'extérieur pour tenter de prendre le podium. Mais Timoun à l'intérieur. Et ça ne passera pas pour la Ferrari, qui a vraiment tout tenté pour essayer de monter sur ce podium depuis le début de la course, mais à jamais il n'aura réussi à monter sur ce fichu podium. Et il y a aussi Nixam et Stop qui sont revenus, une grosse bataille en tout cas qui s'est amenée dans son perspective pour la deuxième place. Et Nixam qui va se défaire d'Ore Fox dans la ligne droite, c'est très étonnant parce que la Red Bull n'est pas censée être rapide en ligne droite. Et Guillaume Stop qui arrive sur l'extérieur. Ouh là là, et Guillaume Stop qui se montre très menaçant, mais il pouvait pas passer là où il était. Et Nick Sam sur Ore Fox, les deux sont toujours côte à côte. Et la Ferrari pour l'instant qui garde l'avantage, même si Nick Sam va avoir le meilleur sorti vu qu'il était à l'extérieur. Et les deux Browns sont définitivement enfuis hein, de cette bataille. Et Nick Sam sur l'intérieur dans le long droit, et Ore Fox va tenter de résister par l'extérieur. Mais ça s'annonce compliqué. La Red Bull, c'est l'une des voitures avec le plus d'appui, hein, faut le rappeler. Et Nick Sam qui est passé pour prendre la quatrième position à Ore Fox. Alors qu'ici, je me fais rattraper par Rubens Moreau. La voiture qui glissouille, je crois qu'on est tour 12 ou un truc comme ça. Il reste deux tours et je perdais genre une ou deux secondes par tour. Mes pneus, ils étaient morts. Et Rubens Moreau qui prend la première place à nouveau. Rubens Moreau, est-ce qu'on peut riposter peut-être avec le gros freinage à l'épingle, et ça passe peut-être Rubens Moreau le décroisement? Non, Rubens Moreau ne peut pas décroiser, il s'est fait surprendre par l'arrière de ma voiture qui a glissé, alors qu'on voit ici mon coéquipier Guillaume Stop qui est en train de dépasser Ore Fox pour la cinquième position. Toyota qui essaye de gagner le plus de positions possible, parce que là Brown va faire un carton plein là si Rubens Moreau effectivement prend la tête de la course. Il faut pas le laisser faire ça, et j'enroule par l'extérieur comme je peux et ça passe pour l'instant, même si ici je sors vraiment large. Là j'ai vraiment peut-être trop donné dans le virage, et Rubens Moreau qui va décroiser avec sa voiture, avec ses pneus trois tours plus frais, sa voiture plus performante aussi. Et Rubens Moreau qui est passé, peut-être le gros freinage, on tente le tout pour le tout dans ce freinage, mais on sort trop large. Et Rubens Moreau qui redécroise une nouvelle fois, je pense que cette fois-ci, c'est fini, on aura tout tenté, mais Rubens Moreau a gardé son sang-froid et son calme, et il passe devant, et je pense qu'il va garder la tête du Grand Prix jusqu'au bout, à moins qu'il fasse une grosse erreur ou qu'il y ait problème mécanique. Je pense que Jambon est parti pour gagner, marquer ses premiers points de la saison. Rubens Moreau, il va marquer 25 points d'un coup. Ça va faire du bien à son championnat. Alors que son coéquipier Timoun est en train de m'attaquer aussi. Bah oui, forcément. La Brown, en plus, bah oui, lui, il a des pneus 2 tours plus neufs. Mais bon, quand même, il reste plus rapide. Et il me décroise ici. Est-ce que je peux l'enrouler par l'extérieur? Oh, il contacte, attention. Contact avec Timoun. Il n'a pas cassé son aileron, je crois. C'est juste un petit contact. Un petit contact friendly, là, juste pour dire. Hey, oh. Salut. Et Timoun y est passé dans la ligne droite. Est-ce que je peux revenir en faisant le gros freinage peut-être? Attention, blocage de roue, je perds la voiture. Et les 3 secondes! Ah bah oui, les 3 secondes, j'ai coupé. Bah oui, j'ai coupé l'épingle, j'ai pris 3 secondes. Donc malheureusement, en plus de me coûter la 3ème place, ça va me coûter la 2ème place, ça va me coûter la 3ème place. Je vais me retrouver derrière Nick Sam. J'espère que je vais quand même faire assez d'avance sur Ore Fox, parce que sinon, je risque de perdre également la 4ème position. Et je reste devant Nick Sam pour l'instant. Bah de toute façon il a pas besoin de m'attaquer, il va terminer devant moi. Donc
Il a juste il a 4 Just Chill derrière. Et Rubens Moreau, après un début de saison extrêmement compliqué, avec un abandon sur casse moteur en Australie, une 17ème place à Bahreïn, Rubens Moreau va enfin marquer ses premiers points de la meilleure des manières, avec une victoire ici à Shanghai, doublé Brown avec Timoun qui termine deuxième, et je vais terminer où dans cette histoire ? Cinquième ! Ah bah voilà, bon bah Aurélie Fox a réussi à se mettre dans mes 3 secondes, donc je vais terminer 5ème au lieu 3ème. Quel dommage. Ouais, ça a coûté cher au championnat tout ça. Incroyable. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Iceman prend la tête du championnat des pilotes. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Cette journée a été intéressante, mais à bien y réfléchir, je choisirais Alexander Albon. Il a fait preuve d'un pilotage exemplaire. Son équipe et lui-même ont de quoi être fiers. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et effectivement, Rubens Moreau, winner of this Chinese Grand Prix, Timoun et Louis Morvan complètent le podium. Je termine 5ème juste devant Guillaume Stop, Belinda à Nice, Rémi Franglais et Louis Chardon complètent les points. De toute manière, vous aurez le classement pilote à la fin de la vidéo, vous en faites pas. Le prochain Grand Prix, ça va être en Espagne, sur le circuit de Catalogne. Ça y est, on arrive en Europe. C'est là où toutes les équipes vont ramener leur gros upgrade. Effectivement, on n'a pas assez pour ramener la nôtre. Il faut attendre une semaine de plus. Voilà, du coup, on va pouvoir mettre sur la grosse upgrade châssis. Oui, il faut faire la voiture la plus confortable possible, hein, parce que c'est vrai que cette voiture, elle glisse beaucoup. Donc, il faut faire beaucoup d'upgrade châssis. Que ce soit le plus confortable possible à la réaccélération, en tout cas c'est mon point de vue. Donc du coup, voilà, on va se retrouver en Espagne dans le prochain épisode, mais d'abord on va s'attaquer au classement pilote et constructeur. Et donc on est toujours en tête du championnat avec notre régularité, mais Timoun n'est plus qu'à 2 points, Guillaume Stop n'est qu'à 5 points derrière, et Nixon n'est qu'à 8 points derrière. C'est vraiment extrêmement serré, Franglais 5ème du championnat, notamment Carey avec sa victoire à Bahreïn, mais vu la performance de sa voiture, comme on l'a vu sur ce Grand Prix, je pense qu'il va ne faire que descendre aux alentours du top 10, hein, je pense. Ensuite, on a Jambon qui, du coup, grâce à sa victoire, passe soudainement à la 6ème position, juste devant Auré Fox, Jeannot, Drakein et Nox qui sont à égalité, hein, les deux à 12 points. Puis ensuite, on a Kevin VDL devant Belinda et Noctao à égalité avec 8 unités, devant Santino Andreoli, c'est 7 points. Ensuite, on a Agathe avec 6 points. Ensuite, on a Anis et Mysterion à égalité devant Mr. Louis et Melsen à égalité. Même si, du coup, Melsen devrait être devant Mr. Louis au classement vu qu'il a fait la 9ème place. Mais bon, je comprends pas trop pourquoi. Ce classement, il prend pas trop en compte. Genre, il voit des égalités, il va pas vraiment classer en mode le meilleur résultat devant, etc., etc. Bon, si jamais ça se passe au dernier Grand Prix, je trouverai un moyen pour compenser. Vous en faites pas, je mettrai un 1,1 ou un truc comme ça. Pour faire genre qu'il a gagné l'égalité parce qu'il a plus de victoires en deuxième place ou quoi. Bon, vu que c'est pas la dernière course, c'est pas trop grave, mais bon, c'est juste un petit détail comme ça. Sinon, il est très très bien ce classement. Et Tovigno, du coup, qui est le seul à ne pas avoir marqué de points, mais au moins il a terminé un Grand Prix à la 11ème place, hein, tout juste derrière les points. Peut-être la prochaine fois. Puis My Team 1 et My Team 2, c'est ce qu'il y a dans le classement, mais bon, il se sera jamais utilisé. Peut-être dans les saisons prochaines, mais je sais pas, on verra bien.
au classement constructeur, Toyota est toujours devant, mais c'est Brown qui prend la seconde position devant Red Bull et Ferrari qui sont à égalité juste devant Sauber. C'est vraiment très très serré pour la troisième place du constructeur. Ensuite, on a Toro Rosso qui est juste devant Renault, McLaren et Williams. Là aussi, c'est extrêmement serré. Puis Force India un peu dans son no man's land à la dernière place. Eh bien, là, j'espère que ce Grand Prix de Chine vous aura plu. On se retrouve pour la suite très bientôt. Ciao, mes amis. Tchuss.